Je pense que c'est une école de référence et les diplômes obtenus sont valables à l'international. C'est la meilleure université. L'université de Lomé existe depuis plus de 50 ans et c'est une université de référence dans le Togo et aussi dans la sous-région. Donc, c'est pour ces raisons que j'ai préféré choisir l'université de Lomé. Qu'on ait eu à voir tout ce qui se passait au niveau des salles de cours, au niveau des étudiants. Après avoir recueilli les impressions des étudiants ainsi que des enseignants, nous avons soumis à cet exercice le directeur de l'École supérieure des assistants administratifs, Monsieur Adama, afin qu'il puisse répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour, directeur. Oui, bonjour, madame. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. J'espère que la rentrée s'est bien débutée. Oui, la rentrée s'est bien déroulée ici à l'École supérieure des assistants administratifs. Oui. Nous constatons que tous les étudiants viennent au cours. Oui. Les enseignants également respectent le calendrier établi et viennent normalement au cours. Tout se déroule bien. À l'ESSAD, l'entrée est sur concours. C'est après un concours que les étudiants intègrent l'ESSAD. Comment ça s'est passé le concours à votre niveau jusqu'à la délibération et à la reprise des cours une semaine après? Bien sûr, madame. Ici, à l'ESSAD, l'accès est subordonné à la réussite au concours. Oui. Nous avons organisé ce concours au mois de septembre dernier et tout s'est bien déroulé. Comme d'habitude, tous les membres du jury ont participé à l'organisation de ce concours et les 60 étudiants ont été retenus. Nous sommes à une semaine de la reprise des cours. Comment ça se passe à l'ESAD au niveau du corps enseignant, au niveau des étudiants? Est-ce qu'aujourd'hui, après une semaine, on ne pourra pas éventuellement parler d'un bilan? Mais est-ce que vous êtes satisfait des une semaine de cours qui ont déjà débuté à l'université? Nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de comment les choses se déroulent à l'ESAD. Au niveau des enseignants également, nous sommes satisfaits. Au niveau des étudiants également, nous sommes satisfaits. Puisque bien avant le démarrage de cette rentrée, nous avons organisé une séance d'information à l'attention des nouveaux candidats. Et nous avons constaté que les consignes qui sont données au cours de cette séance d'information ont été respectées. Il y a les informations sur le système LMD, les évaluations et la discipline à l'école ont été données au cours de cette séance d'information. Et les étudiants suivent les consignes qui ont été données et tout se déroule normalement. Vous avez des attentes? Vous avez des attentes? Avez-vous des attentes que vous pouvez formuler à l'endroit de la présidence, de la tête de l'université en ce qui concerne la rentrée académique 2023-2024? Nous avons toujours bénéficié de l'assistance de la présidence. À cette rentrée, ce que nous voulons au niveau de la présidence, c'est une assistance en équipement informatique. Nous voulons que notre parc informatique soit encore plus renforcé. Nous voulons également que notre bibliothèque soit encore plus équipée en matériel didactique. Voilà nos attentes à cette rentrée et à l'ESAD. Au niveau de la fac des sciences de la santé, tout s'est bien déroulé. La rentrée a bien repris. Quelques jours avant la rentrée, notamment le 13, nous avions organisé une activité campus propre ou bien faculté propre. Et le 16, déjà le matin, les cours, les stages ont commencé. Puisque chez nous, dans la matinée, c'est essentiellement les stages dans les hôpitaux. Et c'est l'après-midi que les cours démarrent. Donc le 16, les cours ont démarré. Il n'y a pas de problème majeur. L'emploi du temps a été peaufiné bien avant la rentrée. Les sites de stage, de même que la répartition des étudiants, a également été fait bien avant la rentrée. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas eu de difficulté majeure. J'avoue que cette année, nous avons reçu beaucoup de dossiers. Nous avons procédé à une sélection comme les années antérieures, en se basant sur quelques matières fondamentales sur le bac 1 et le bac 2. Donc, de par ça, nous avons retenu environ 1000 étudiants pour la première année. Et je dirais que tout s'est bien déroulé. Les noms ont été envoyés à la DAS pour que ceux-ci puissent s'inscrire. La massification des effectifs, nous avons un problème de salle. Donc ça nous a dérangé un peu. Il a fallu faire des ajustements
avec le concours de la DAS. Mais bon, je dirais Dieu merci, tout s'est bien passé et nos étudiants ont bien démarré l'année. Vous enlevez la cire là. Vous enlevez la cire là. Pour laisser apparaître l'organe. Tu comprends? Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, l'eau liquide, un kilo est parti sous forme de vapeur. Je dois trouver un kilo dans la vapeur, dans l'atmosphère, un kilo dans les condensats et un kilo qui doit revenir. La rentrée administrative a eu lieu quelques semaines plus tôt. Nous en avons profité pour rencontrer d'abord les délégués des étudiants, le personnel administratif, technique et de service, les chefs de département pour préparer la rentrée pédagogique qui a eu lieu une semaine avant la rentrée effective, le début des cours. Et à cette occasion-là, on a eu à rencontrer les enseignants à diverses occasions. Il y a eu des conférences sur l'enseignement. Il y a eu des conférences sur la didactique des disciplines. Et puis, il y a eu des conférences sur le vivre ensemble, c'est-à-dire quelles sont les dispositions, les attitudes à adopter pour le meilleur déroulement du semestre, que tous les acteurs, que ce soit les étudiants, que ce soit le personnel administratif, que ce soit les enseignants, que ce soit l'administration, que tout ce monde-là puisse se comprendre et s'engager pour l'atteinte des objectifs de notre semestre et de notre année. Bien, alors, je vais commencer par les attentes, qui ne sont pas réalisables tout de suite. Nous avons besoin d'un bâtiment. Vous voyez, l'environnement a changé ici. Vous avez l'Institut Confucius, vous avez le centre de langue. Notre bâtiment, ça ne cadre plus avec l'environnement. Et pour cela, et compte tenu de l'exiguïté de l'espace dont nous disposons, il nous faut un nouveau bâtiment à la faculté des lettres, langue A. Maintenant, pour revenir à l'année. Depuis la pandémie de la COVID-19, on a remarqué une démotivation au niveau des étudiants. Cela est lié au fait que nous avons été tous surpris par l'avènement de cette pandémie et on est entré un peu dans la précipitation dans le système hybride. Or, il y a eu une note qui disait, peut-être par égard aux difficultés que rencontrent nos étudiants, la note disait qu'on ne devait évaluer que les enseignements présentiels. À partir de ce moment-là, les étudiants se sont complètement désintéressés du cours en ligne. Et puis, de fil à aiguille, il se trouve que même pour les séances en présentiel, on a moins d'affluence qu'avant la pandémie. Le défi maintenant, c'est de voir comment ramener les étudiants en présentiel. Et pour cela, nous avons essayé avec la DAS de voir si on peut augmenter officiellement. Nous avons 6 semaines de présentiel et 6 semaines en ligne alternativement. Mais la consigne que nous avons donnée aux collègues avec la complicité de la DAS, c'est qu'on puisse profiter de chaque instant pour augmenter les séances en présentiel, histoire de sensibiliser les étudiants. Et puis, si à un moment donné, on arrive à avoir 8 à 10 séances en présentiel, on verra maintenant comment réintroduire plus de séances en ligne après avoir sensibilisé les étudiants sur la réalité. La réalité, c'est que le cours en ligne est le modèle de l'avenir. Mais nous avons le temps de nous préparer et d'y arriver avec plus d'efficacité. Voilà. Je suis venue aujourd'hui pour faire la visite médicale. En ce qui concerne l'année académique universitaire,
2023-2024, les inscriptions se sont démarrées depuis fort longtemps. Les nouveaux bacheliers rentrent sur le site de l'université où ils vont aller cliquer sur l'onglet « Cool ». Et là, ils vont voir deux tableaux. Donc, la partie qui les concerne plus, c'est la visite médicale. Donc, quand ils rentrent là-bas, ils vont s'enregistrer et payer. Il y a via Timoni ou par la banque. Et là, quand ils vont obtenir un numéro de paiement, ils vont réintroduire ce numéro dans le site et que le site va leur régénérer un rendez-vous pour la visite médicale. Ici, nous sommes sur la scène Bella Bello où on reçoit les nouveaux bacheliers pour le processus de la visite médicale. Le premier abord, nous essayons de contrôler les nouveaux bacheliers, s'il a été inscrit, s'il a payé, tous ces papiers-là. On les fait installer. Ici, nous sommes sur la scène Bella Bello, 1000 places. Donc, à partir du troisième jour, nous recevons 1000 étudiants. Mais le premier, le deuxième jour, ce sont les 500 programmés. Donc, nous vérifions les documentations et juste après, on suit un circuit pour le prélèvement, l'acuité visuelle et le troisième jour pour l'analyse des données. Nous allons avancer vers le site 2 pour voir quelles sont les activités liées à ce site. La rentrée académique 2023-2024 a bien commencé à l'ISICA. Nous avons fait le nécessaire pour respecter les directives de la présidence de notre université qui voulait qu'il y ait une semaine pédagogique. Il y a eu une rencontre des enseignants. Ces attentes peuvent être portées par des voix plus autorisées que la mienne, celle du directeur de l'Institut, mais je peux quand même dire que ce que nous pouvons demander à notre présidence, c'est d'être à notre écoute. Hein. J'ai opté pour l'Université de Lomé parce que d'abord, c'est l'université de référence du Togo. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai eu à prendre des renseignements chez mes aînés et ils m'ont dit que ça se passe plutôt bien ici et tout, et que l'encadrement est bon. C'est parfait pour moi. Du coup, j'ai préféré opter pour l'ISICA afin de bénéficier d'un encadrement parfait pour mon éducation. Au premier abord, les professeurs, le premier contact s'est plutôt bien passé avec eux. Ils ont été gentils, sincères. Et bien sûr, ils nous ont dit ce qu'ils attendaient de nous. Ce que j'ai bien aimé. Par rapport aux attentes que j'aimerais plus avoir ici à l'Université de Lomé, j'aimerais bien que pour le déplacement, les bus par exemple, on puisse nous ajouter des bus parce que non, le nombre est vraiment un peu trop élevé. Nous sommes coincés. Vraiment, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. Et il y a aussi par rapport au restaurant, c'est vrai que le prix est réduit, mais la quantité, c'est pas vraiment ça. Mis à part ça, tout se passe bien. À l'ISICA, en tout cas, tout s'est bien passé pour moi. Vous devez voir la puissance que vous voulez véhiculer. Je vous ai dit, plus la tension monte. La rentrée à l'école polytechnique de Lomé s'est bien déroulée administrativement. Tout le monde était présent. Les étudiants, ils sont là, nombreux, sont satisfaits pour tout ce qu'ils demandent. Nous sommes à leur service. Il faut dire que l'EPL, c'est une nouvelle école qui vient d'être créée. Et le personnel aussi, on en manque. Cette rentrée s'est déroulée dans une ambiance totalement différente de celle de l'année passée. Et avec le peu de profs qui étaient là, j'ai senti qu'ils étaient dynamiques dans leurs cours. Et il y avait beaucoup de vivacité, mais contrairement au même moment, il y avait certaines profs qui ont eu des empêchements, qui n'étaient pas là. Donc, en grosso modo, j'ai trouvé la première semaine un peu fade, mais dans l'ensemble, ça va. S'il faut parler de la rentrée administrative, elle a commencé depuis le 11 septembre. Donc, nous avons pris toutes les dispositions pour anticiper l'arrivée des étudiants comme la reprise des cours par les enseignants. Vous savez, quand vous travaillez pour un employeur, en retour, vous aussi vous attendez nécessairement les motivations et les meilleures conditions de travail. Et donc, c'est ce que je peux attendre de notre employeur.
Après, can you say? Tee.